vient d'être lancé. Yes. Et c'est un Nekaflip terre d'opou. C'est un Nekaflip mêlé avec moins 30 écrits, ça doit être la vautour, ouais. Ouais, en effet, ouais, bon, on est clairement là-dessus. De toute façon, par rapport à l'Ekaflip, on voit du coup un roublard. Qu'est-ce que c'est? Oh, retrait, ça. Il a l'air retrait. Ils ont des forges lave quand même. Ouais, c'est le forge lave. Ils s'attendaient quand même à cet Ekaflip d'Opou. Ouais, bah comme tu le visualisais, hein, de potentiellement, de toute façon, chercher le gros tour T2 à l'aide de l'Ekaflip. Ouais. Après, comme tu vois là, au final, on se retrouve un peu dans la situation qui est pas forcément cool pour Hall of Fame, c'est que t'as le steamer qui va jouer juste après l'Hélio. Si l'Hélio essaie de faire un peu de placement pour ramener quelqu'un, le steamer, à tout moment, il peut lâcher une assistance. C'est ça. Et là, du coup, on voit le tour de l'Hélio qui va juste chercher à booster son EK. Ah, ouais. Et d'ailleurs, petite chose, c'est que l'Hélio est agi, en tout cas. C'est vrai. Comme tu l'attendais. Tu voulais le voir, le voilà. À voir maintenant ce que ça a donné. J'ai pas l'impression. J'ai un léger doute si c'est vraiment le mode agi retrait. Je pense pas. J'ai hâte de voir ce que ça a donné du coup par la suite. En tout cas, on voit déjà le rush de l'Ekaflip qui a 13 PA, qui va pouvoir directement aller très simplement rush ses adversaires. Ou peut-être juste mettre l'érosion et finir sur le portail aussi. Ah, c'est très bien joué de ça d'ailleurs. Bah, c'est cool, mais je ressens pas un grand intérêt de ce chalutier au final. Bah, il est sympa parce qu'il va permettre aussi de tacler Lenny s'il veut prendre le portail. Et c'est surtout ça, oui. C'est du coup le chalut qui est au corps à corps qui peut gêner. Et surtout, c'est que ça peut gêner un petit peu, notamment Gasta, qui avait uniquement à faire une chose, c'était à mettre l'héro et à reprendre son portail et à rester dessus. Là, du coup, ça lui oblige déjà, caleçon de doigt quoi qu'il arrive, à utiliser au moins un PA ou deux pour pouvoir se mettre un peu plus safe. Ouais. Et du coup, ils ont décidé de jouer un jeu plus distance quand même. Fame. J'ai un peu de mal à voir quand même comment ils veulent prendre l'avantage là-dessus. Au final, ils ont commencé un focus roublard. Le focus roublard, c'est pas mal du tout quand même, parce que le roublard, c'est quand même une classe qui doit pas mal s'exposer s'il veut mettre son raid et son érosion. Ouais, mais je suis en train de penser, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment vu, mais si on est sur un mode d'Opou de l'Ekaflip. Est-ce qu'on verrait pas, bon, c'est ce que j'appelle vraiment les sorts oubliés d'Hélio, mais la variante de Rairi. Et ouais. Pourquoi pas. Ça serait chimique, hein, si c'est sorti comme ça, ce serait chimique. Ça, pour moi, à la limite, tu peux plus utiliser sur un Hélio d'Opou ou avec la panoplie Ravageur Pastèque, OR d'Opou qui peut être très, très sympa là-dessus. Ouais. Mais sinon, ça serait très étonnant qu'il joue là-dessus, parce que c'est vrai que Rairi fait partie des meilleurs sorts agi que peut avoir l'Hélio, donc on va voir un petit peu tout ça. Là, de toute façon, Lenny Ripsa qui va continuer à boost, hein. On voit d'ailleurs un Ekaflip qui va avoir énormément de PM. L'Hélio peut faire un énorme tour quand même, plein. Attention, parce que l'Eka, il a pris un premier debuff là, de la part de Luper avec ce piège élément. Qui lui a débuff du coup la Koa Focus de l'Hélio. Oui, tout à fait. Alors à voir si l'Hélio va décider de la remettre ou s'il va préférer juste faire son tour de dégâts ou de placement. L'Hélio peut faire un bon petit tour pour replacer notamment l'Eka. À mon avis, de toute façon, le roublard va bloquer le portail numéro 2. C'est un petit peu normal. Et premier héros qui est posé du coup de la part de Rafale. Ah, sur l'Ekaflip. Ok, roublardise. En vrai, c'est pas mauvais la roublardise, parce que ouais, sur l'Hélio, c'est quand même super chiant, je pense, hein, d'essayer de devoir faire un tour sans savoir où est le roube. Totalement. Il est taclé par celui-ci. Totalement, c'est vrai que du coup, c'est un peu gênant. Il est obligé de toute façon, et je pense qu'il sait où il est, hein, du coup. Ouais. La question est vite répondue et il va le ramener directement du coup dans son camp. On est quand même plus, même si c'est un Hélio. Agi, on est quand même plus sur un mode de placement à l'heure actuelle. Ouais. Les portails qui restent ouverts. Portails qui restent ouverts et cette assistance qui est possible. Hein. Cette assistance n'est même pas compliquée à prendre. Hein. Mais il va surtout taper. Est-ce qu'il va taper? Il n'a pas d'embuscade à travers portail. Il peut pas. Tu mets juste une embus sur l'Hélio et tu ramènes ton roue.
Ouais, non, ça va. Et après, il peut mettre une petite embûche du coup tranquillement sur. Même un sonar. Hein. Et ben voilà. Ouais. On est sur le sonar. Sonar, du coup, ouais, on est sur. On est sur un mode feu en fait, sur ce Steam, j'ai pas vu, ouais. On est clairement sur un mode feu, et d'ailleurs très important, on voit du coup qu'il y a la brise lame qui est passée sur la bâtie, brise lame qui va embêter clairement cet EK. Il y a 15 PA. Il y a 15 PA, après il y a une brise lame, mais il prend quand même les deux poux, on va voir ce qu'il va décider de faire. Je pense qu'il va quand même y aller. Hein. Il va quand même y aller, il va foncer dessus. Oh, il a roux son Helio, ok. C'est étonnant. Pourquoi pas, hein, t'façon... Après, quand tu te dis les Kaflip Terre d'Opou, au final, il tape sur enfin, la moitié de ses dégâts, c'est les Dopou. Donc au final, tu te dis que la roue est peut-être pas si rentable que ça. Du coup, si tu peux rouler ton Helio pour que lui ait vraiment 100% de ses dégâts qui soient boostés par la roue, pourquoi pas. Ouais, non, tout à fait. Mais alors, dans ce cas-là, peut-être qu'il aurait pu lui-même se boost au niveau des Dopou. Je me souviens plus du sort agi en croix. Yeah, oui, voilà, qui permet de booster en. C'est Dopou qui aurait pu être potentiellement intéressant, ou même tout simplement de focus le roublard à fond pour pouvoir péter cette Batiscaf, ce qui aurait pu être aussi intéressant. Mais là, on va voir surtout l'héliotrope qui a pas énormément de vita, qui se retrouve bien focus par cette super mage. Ouais. Le problème, c'est que cet Helio, au final, il a fait son tour de placement pour ramener ce roublard, mais il est resté dans le camp adverse et le roublard s'est fait. De ramener le roublard n'a pas été si impactant que ça, quoi. Non, et d'ailleurs, l'Upermage qui a décidé de laisser ses portails ouverts, qui va permettre à l'Enelipsa de pouvoir venir caler du huile sur l'héliotrope. Il en a bien besoin, d'ailleurs. Ouais, pouvoir souffler un peu la Swatchel. Et les mots fracassants qui passent quand même pas mal. En tout cas, ce mot passe bien. Est-ce qu'il va tenter un mot de silence? Ça m'étonnerait, mais... Il peut toujours le mettre. Il peut le mettre, ouais. Il peut avoir les 3 d'ailleurs. Ah, non. Vous pouvez pas avoir les 3 d'ici là. J'ai un léger doute. Si, oui, il pouvait avoir les 3. Ça arrive, hein. C'est un peu dommage. Ok, tour du roublard. Il a 7 PA. Il a 7 PA et il est érodé. Complexe le tour. Ouais, complexe le tour du roublard, il a 7 PA et même il a 2 PM, hein, important à préciser. Il a 2 PM, ouais, c'est vrai. Il a plus la roublardise, donc il va pas pouvoir aller bien loin non plus. C'est vrai qu'au final, s'il commence à prendre des destins et des railleries, les PM, ça va être compliqué. Après, il y a toujours quand même le brise-lame. Il y a toujours le brise-lame, là, pour le coup. Ouais. Ah, est-ce que l'Hélio a un tour de fou? Il est en 15-8, l'héliotrope. Tu peux me faire une redirection, là, mon poulet. Fais-la moi. 15-8, fais-nous rêver, Swatchel. Ah, ouais, si, il peut la faire. Mais c'est compliqué, en vrai. Ça va être très compliqué. Ah, du coup, il a oublié de passer. Ça va être... Ouais, c'est très... Okay. Très bas. Ouais, c'est un peu dommage, mais ça va quand même taper. Hein. Il est bien boosté. Ok. Ouais, ça tape. Hein. Ça tape. Alors, d'ailleurs, on a la réponse. Hein. Il joue pas avec le Silicule, il joue avec Raïri. Ouais. C'est une bonne chose qu'il joue avec la Raïri, d'ailleurs. Ouais, je pense que le cumul de Red PM là sur ce roublard, il fait pas plaisir. Hein. Ah ouais, non. Il a pris moins 2 du destin, il a repris moins 2 de la raillerie. Bah, ça va être gênant, on va dire, pour lui si ça continue comme ça, si le focus est encore là-dessus. Faut pas oublier qu'il est érodé comme tu l'as précisé tout à l'heure. Il a 3341 points de vie, ça va commencer à diminuer. On va avoir l'Ekaflip qui va peut-être pouvoir aller dessus. Ouais. À voir, parce que malheureusement, il y a toujours cette brise lame qui est présente. Toujours cette brise lame, après est-ce qu'on mettrait pas juste de l'érosion en essayant de se préparer un prochain tour avec un odorat ou ce genre de choses? Non, on y va, hein. Il a raison, je pense qu'il on y va. Il veut taper au moins les dopous, ça passera dessus de toute façon. Ça les dopous passent pas mal. Exactement, les dopous passent dessus. Ah okay, non, on préfère. Ouais, on va être pas le haut. Une fois qu'on va booster pour le prochain et un odorat. Ok, le prochain tour il va faire très très mal, le prochain tour de l'Ekaflip. Ouais. Ouais, non, là on a un Ekaflip qui va être plutôt bien boosté. Ouais. On voit d'ailleurs juste une chose assez importante, c'est que l'écart reste pas trop loin du portail 1. Je pense que c'est notamment pour pouvoir profiter des boosts que l'Hélio pourrait lui apporter. Ouais, ou si l'Hélio peut lui ramener quelqu'un aussi, ça peut être pas mal aussi. Ouais, exactement, il faudra juste replacer du coup le portail vu que c'est le portail 1, mais je pense que ça peut être très sympa là-dessus. L'Upermage qui va faire son taf, qui fait très bien d'ailleurs le quota. Ouais. Est-ce qu'il va décider de le debuff ou pas?
Parce que s'il le debuff, il perd les PA de Lénir Ipsa au prochain et il perd les boosts fanfaronnades. Il débuff. Le debuff, ok. Il debuff l'Hélio, du coup. Il debuff l'Hélio. Il voulait peut-être garder l'héros sur les Caflip. Ah ouais, peut-être, ouais. Non, bien vu, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il y avait à debuff sur l'Hélio, du coup, mis à part le boost de Lenny? Il y avait les PA de Lenny. Il y avait la roue, roue. Ouais, il y a la roue, ouais. Après, il va encore avoir un tour de roue. Il y avait la roue, et après, faut pas oublier, c'est que Gastara et Swatch, ils ont pas non plus tant de vita que ça à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai que là, c'est... ce double focus, il leur... fait pas du bien. Après, au moins, ça leur permet de souffler un petit peu, parce que si tous les dégâts avaient été juste focus sur un perso, c'est peut-être déjà fini. Non, c'est clair, c'est clair. Et là, là déjà, c'est un petit truc sympathique, c'est qu'on a la Batiscaf qui prend quelques dégâts en plus, ça mange pas de pain. Ouais. Et le Roublard qui se retrouve avec 6 PA, 6 PM, hein, à peine. C'est pas et qui est bloqué en plus par Lenny Ripsa. Il doit lâcher 3 PA pour se détacler, c'est dur pour lui là. Ça commence un petit peu à être un peu dur par rapport à lui qui... Il a du mal pour le moment à vraiment faire son jeu qui est complètement bloqué. Une petite rémission du coup qui est mise. Et c'est très bien vu. C'est très bien vu. Est-ce que du coup ça forcerait un changement de focus puisque clairement ça allait partir sur le Roublard? Est-ce que le changement de focus va être de mise? Je suis pas sûr parce qu'en gros, si l'Hélio arrive à ramener ce roublard, les Caflip a des moyens d'empêcher la rémission de proc trop facilement aussi, donc ça permet une roulette derrière lui par exemple ou quoi. Faut voir ce que l'Hélio va décider de faire. Alors ça sera pas ramener le roublard, ça c'est quasi sûr. Il va tuer ce Batiscaf, ok. Tue ce Batiscaf, il a pas encore la relance, c'est pas mal. En vrai, ce Batiscaf qui lui permettait probablement à l'équipe de Rafale de tenir sur la longueur après les pre-tech. Ils viennent de tomber et au final on n'a pas de bâti, c'est un peu dommage. Enfin, c'est pas mal comme ça du coup. C'est un peu dommage parce que voilà, bah, en fait, Sabo l'a vu, hein, il y a quand même une redirection qui est complètement free dessus. Ouais. Ah, ouais. Et là, il va se faire plaisir. Hein. Le problème, c'est que s'il y avait qu'un seul portail, c'est une chose, mais on voit Quenta qui, lui, il n'a pas du tout été gêné depuis le début. Et Quenta, il va se faire plaisir sur les lieux aussi. Hein. C'est vrai ça, Quenta il va pouvoir faire un très gros tour sur les lieux, l'Ekaflip est obligé de bloquer ça. Là malheureusement... l'Ekaflip là il a deux tapes. Ouais c'est ça, les portails sont ouverts et l'Ekaflip il a deux tapes, c'est se sauver lui-même et sauver son Hélio, et sachant que t'as en 16 PA et que t'as une fanfaronnade dessus, c'est vraiment pas ce que t'as envie de faire. Non il va tenter le steam. Attends. Ok, il va full le steam. Et ça va faire mal, hein. Ça va faire très mal. Et Sengal à 500. Ouais, mais Lilio est mort. Hein. Enfin, Lilio va mourir en tout cas. Ah, le chaton, je pense que c'était pour passer portail. Mais au final, ça change rien. Ouais, ça change rien, ouais. Ça change rien du tout. Il va juste utiliser 2 PM supplémentaires, mais ça ne change absolument rien. Il va avoir 13 PA, Quenta. Il va pouvoir se faire plaisir là-dedans. Et se faire vraiment, vraiment plaisir sur Lilio. Je pense que l'Eneripsa devra après, quoi qu'il arrive, rentrer dedans, dans le portail. Ouais. Pour pouvoir le bloquer. Et là, bah, les dégâts vont être assez monstrueux. Ça tape. Ouais. Non, mais là, c'est dur. Hein. C'est dur. C'est dur. En plus, le traitement qui les enterre. Ouais, non, c'est dur. Le traitement, c'était la goutte. Hein. Ah ouais, non, là, le traitement fait encore plus mal. Le gardien qui vient aller en plus tacler Lenny Ripsa. Ah, c'est pas évident. Compliqué. C'est vraiment pas évident et là malheureusement en fait le tour de Lenny va être très light, un mot du coup fracas, le mot sélectif aussi. Ah ça c'est pas mal ça, petite flamiche. Et c'est intéressant, ouais, la petite flamiche sur le totem pour pouvoir rebloquer les portails, il faut surtout pas qu'il bouge sinon Lilou va pas tarder à mourir de toute manière. Ouais. Et là le problème c'est que quand tu regardes les HP des 6 persos, tu vois très vite qu'il y a un problème. Bah, tu vois c'est Gaffé qui a 2000 HP, comment? Ça dépend pour quelle équipe le problème. Ouais. Ça dépend pour quelle équipe, ouais. Les Fame sont vraiment pas bien pour le coup. Ah, là, ça va être très compliqué en tout cas pour pouvoir revenir dans ce match. Hein. Ouais, la zone Kaboom qui est reformée qui va pouvoir être un peu les Caflip aussi en même temps. Là, on voit quand même hein, juste sur un tour où les portails ont pas pu être fermés. Alors, je sais pas trop d'ailleurs si l'Hélio joue avec Neutral ou avec.
Toi, je vais interrompre, je pense, quand même. Avec interruption, mais pour le moment, il l'a pas encore utilisé une fois, je pense pas. C'est dur parce que Lilio, il fait vraiment juste une faute là-dessus et c'est quasiment punitif. Il va faire sûrement un tour soit DPS, soit un tour d'huile. Pour moi, il faut taper là-dessus. Oui, il faut taper. Faut mettre de la pression quelque part, là, t'as pas le choix. Ok. Il tape quand même bien, hein. Il tape quand même bien, Stelio. Sur 42% et il reste distance. 1450 HP, ce Simon, mine de rien, il est pas bien. Après, il y a le retour Batiscaf. Et excuse-moi, faut que je me permette. Ferme les portails. C'est pas possible. Mais au moins, replace-en un. Une équidistance. Il y a quelque chose à faire. Non, mais Lilio est en moi, est en train de saigner. Il aurait tellement pu optimiser, c'est vraiment dommage. Il aurait même pu jouer potentiellement avec la conjuration. Il aurait tellement pu opti ses dégâts et il le fait pas. Je saigne intérieurement. Aïe, aïe. C'est dur. C'est dur, c'est dur quand même. Là, Leka, il va être quand même. Ouais, il va être quand même un petit peu. Il a quand même 14 PA, Leka. Hein. Il a 14 PA. Qu'est-ce qu'il peut faire en vrai? Parce que là, je sais pas à quel point c'est pertinent de taper sur ce steamer. Il s'échance, ok. Ah, je pense que la chance a été plus que nécessaire, on le voit déjà. Sa Vitamax est à 1800, je crois. Ouais, il a 1800 PV max, ouais, c'est dur. C'est dur. Ah, ça commence à être très chaud. Et Spatiscaf, il fait mal, hein, parce que à partir du moment où il est là, tu vois que le Steam, il va avoir 600 HP constant avec son blindage 1130. Il va essayer de le tomber, c'est super dur. Et le problème, c'est que tu es Spatiscaf, ça demande trop de ressources à la team de la Fame. Ah non, totalement. Non, totalement. Là, c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Ils ont très bien réussi à gêner par rapport à. Oh là là, regarde ce qui va se passer en plus. Ils ont très bien réussi à gêner par rapport au portail. En fait, ils ont en fait même pas gêné, ils ont bénéficié des portails sans trop de difficultés finalement. Ouais. Et le truc, c'est que ouais, bah, Quenta, il va juste continuer à taper sur la chance Zeka vu qu'il y a de l'érosion. Ouais, totalement. Il y a de l'érosion sur Zeka et il est capé en fait, il est capé à 50. Donc au final, si tu es sur une chance Zeka, tu vas juste. Les HP actuels vont descendre en même temps que les HP max. Quoi. Ah, mais là, de toute façon, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que finalement, c'est pas. Comment dire. Cette chance n'a pas été si dérangeante en soi, puisqu'on le voit hein, maintenant, hein, comme tu l'as dit. Complètement capé, du coup les dégâts, j'ai envie de dire, Savita font comme du beurre au soleil. Là, c'est dramatique. Après, il y a le retour du silence qui va peut-être réussir à faire souffler Hall of Fame. Est-ce que ça va réussir à faire souffler quand même longtemps? Non, on décide de double debuff, ok. Et on met le silence uniquement sur Rogue et Steam. Uniquement sur le roublard et sur le steamer, on voit du coup le roublard qui retrouve ses premiers tours. Là, il a 8 PA. Mais même avec 8 PA, il peut être quand même assez dangereux, hein, quand même. Parce que, attends, je suis en train de regarder. Ouais, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que Lelio peut faire le kill sur le steamer là. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Alors. Parce que le roublard peut rien faire pour le sauver, techniquement. Là, il a pas vraiment d'armes pour sauver son steam. Alors attends, je suis en train de réfléchir par rapport à une redirection. Là, il est en train de bien bloquer. Non, il va le virer. Il a bien raison. Je pense que ça peut suffire. On se PA sur Swatchel, ça devrait suffire. Pour moi, ça suffit largement. Ça va être très compliqué de pouvoir le kill. Il va pas avoir de redirection free, loin de là. Il joue avec contraction, donc pas d'étirement en plus possible. Non, c'est, il pourra pas l'avoir. Ça va être dur là-dessus. Essayer peut-être de booster, enfin de heal et de booster potentiellement cet EK pour pas qu'il meure. Tuer Batiscaf, je pense que c'est pas déconnant de tuer Batiscaf. Mais oui, pourra pas prendre, parce que le Sim a pas le blindage et il peut pas reposer de bâti. C'est-à-dire que c'est 1400 HP, enfin c'est 1387 HP, c'est HP à la fin de son tour aussi. Mais est-ce que le Steam tue pas? Alors, je suis pas sûr. C'est pas impossible, hein. On se paiera, c'est pas impossible. Après, et parce qu'il ramène la foreuse, bah 6 okay, foreuses. Ouais, il ramène le. C'est quoi, Flamish, Sonar, Sabordage? Ouais, je la vois, ouais. Avec la foreuse, il y a peut-être un monde. Ouais, ça tue. Ouais, il y a plus qu'un monde en fait. Hein. Ouais, clairement. Hein. Et ça aurait pu être compliqué s'il le tuait pas, parce que c'était un EK en retour au dos qui a peut-être tué ce Steam.
Non, totalement, totalement. Et le marteau possédé. Non, mais là, la game est terminée. La game est finie. Il n'y a plus aucun monde où. Ouais. C'est dommage. C'était bien tenté pour le coup de la part de Hall of Fame. Et je trouve ça un peu dommage quand même que le tour où ils aient ramené le roublard, au final, ils aient exposé leur Helio pour que le roublard se fasse re-assistance derrière. C'était pas, en fait, c'était pas mal dans le sens où c'est peut-être ce qu'il fallait faire, mais il fallait peut-être pas le faire parce que à cause de l'initiative. C'est ça, Parce que vu qu'il y avait le steamer qui était présent juste après, en fait, il pouvait après ramener n'importe quel de ses alliés qui se retrouvaient dans le camp adverse. Ils l'ont tenté. Je pense que c'était aussi un petit peu le choix le moins pire. Et ils l'ont tenté là-dessus. C'est possible. Après, malheureusement, l'Helio a... Je peux pas, c'est parce que c'est ma classe de cœur, mais c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir jouer Helio déjà d'une part, et d'autre part, c'est vrai que je l'ai pas vu en 7 tours, je crois, fermer ses portails, et c'est vrai que sur deux tours, je crois, notamment, les adversaires ont vraiment pu en profiter, se faire plaisir dessus. Peut-être aussi que le plan de jeu c'était ça aussi, tu vois, qu'il s'était dit, vas-y, le plan de jeu c'est de garder les portails ouverts tout le temps, comme ça l'ennemi, s'il est en bas, il peut monter pour mettre ses fracas, ses silences, s'il est KA, il est en haut, il peut redescendre pour se safe après son tour de dégâts et inversement, tu vois. Peut-être que ça faisait partie de leur game plan, après, à voir est-ce que c'était vraiment pertinent ou pas, c'est une question. Ouais. Non, c'était un risque à prendre, je pense, de toute façon. Il devait un petit peu repartir là-dessus. Alors moi, j'étais pas mal surpris, par contre, sur le steamer. Je pensais pas qu'il allait passer feu. Pareil, ça m'étonne, on en voit pas souvent. C'est vrai que maintenant, on est plus sur la méta de Laurent Poupe, qui est quand même qui est très intéressante à voir. Ouais, mais surtout un roublard avec toi, où tu te dis, au final, t'as beaucoup de PA, quoi. Du coup, c'est pas tant dérangeant d'avoir une embuscade avec toi sur ce là. Exactement. Ben, en tout cas, gros GG. À la rafale. Ils ont mis une petite rafale ce soir. Yes. Merci. Un grand 2-0. Ils ont montré qu'ils étaient là.